À la base, j'étais à l'heure et après Paco il a décidé d'aller faire une balade pendant que je roulais. Allez, viens! Oula, la corne est cassée de l'attaque. Les enfants, vous faites quoi? Pourquoi? Comme ils ont fait des bébés, il faut un espace plus grand. Ouais. Tu fais quoi comme compétition? Boxe, taille. Ah, tu fais de la boxe? Ouais, taille, je fais de la boxe. Ça, c'est mon armoire à nourriture. Et mon hamster, ça fait 2 semaines, il s'est fait son nid ici. Du coup, il a mis sa nourriture et l'eau et on le laisse faire sa vie. J'ai la haine de ouf. Tout le matériel qu'ils nous ont dit qu'on pouvait récupérer, ils l'ont jeté à la poubelle. J'avais des terrariums, wallah, je crois qu'ils étaient à plus de 600 euros minimum. Tout mon matériel dedans. Mais vraiment tout, je sais même pas combien en euros ça ils ont jeté. Alors que, oh, putain, vide. Ah ouais, tout, regardez, je vois des bouts de mes cages. Tropico. Mes cages, mon matériel, putain. Sac à sandwich. Vous connaissez Tropico, Fezarma. Voilà, chave. Ça va me suivre. Tiens. En vrai, s'il y a des insectes chez vous, vous adoptez un petit moineau, vous êtes réglé. Mange tous les insectes. C'est faux quoi comme oiseau? Il a pris un grand tout seul, tu sais. Comme un grand. Donc ça se nourrit de quoi un moineau alors du coup, si vous avez retenu? Alors, du sable. Non. Non, non, j'ai jamais dit verre de sable. Ça se nourrit d'insectes. D'insectes. Les enfants, est-ce que vous connaissez cette espèce? Non. Non. C'est quoi? Je sais pas, je connais. Vous direz que c'est quoi? Je dirais que c'est un truc venimeux là. Non. Sinon, il te le montrerait pas. Je crois que je l'aurais ramené ici. Bah non, mais tu l'aurais fait avec Pickup qui ne soit plus venimeux. Hein, non, non, je vais pas prendre le risque. Ça s'appelle un tribolonotus. On dirait pas un dragon? Si. Vous avez vu au niveau de la tête? Ils vous ont manqué, hein? Yes, le papa, comme ça, il va s'enfuir. Et lui, tout à l'heure, les enfants, regardez les enfants. Lui, on va le poser, le hamster, on va le poser à sa place. Et vous allez voir que demain, il va revenir ici. Vous aimez trop les souris dans ce centre. Il est trop beau. Ah, il est revenu sur papa. Bah moi j'en ai deux. Ils s'entendent bien les deux en vrai. Moi j'avais une idée de faire un grand cercle et on. Vous allez voir le hamster marron, je le laisse ici. Vous allez voir que demain il va se retrouver là-bas dans le placard. Regardez bien, demain quand je vais arriver à midi, je vais ouvrir la salle, vous allez voir, il sera ici. Le mono, tu restes là.